What are you gonna do now, Kate? I'd like to show you a painting. A painting? Of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Indeed, she does look like you. Since the death of Mom, the girl in the picture has given me a reason to go on. Like some kind of column, something to hang my hopes on. It was one summer evening that the whole story of your painting began. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. You were my last hope. Like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. It's like this painting has chosen me. But maybe I'm just kidding myself. There will always be a train for you. In any case, I promised Katyusha I would find her. And we'll find out who she is, or was.
coming across the sea, from a distant land in the east, he shall appear. A young man, unaware of his own strength. A strength that can both destroy him and bring his dreams to fruition. As it is written upon the stars from long, long ago. A dragon will rise from the earth, conjuring dark clouds to blot out the heavens. A phoenix will descend from above, delivering purple wind with a flap of its wings. Yet even as the sky is devoured by darkness, a single morning star radiates its bright light. That long, winding tale shall now begin. Shenmue, the animation, coming in 2022. An Adult Swim and Crunchyroll original. Le nouveau guide va passer me voir. Doit exister un indice pour trouver Temple Lune Rouge. Une collection que ne renierait pas Katerina.
Comment avancent tes recherches, Kate Walker? Eh bien, il se trouve que j'ai croisé la fille de ton prédécesseur, Kantika, dans le cimetière là-bas. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il en ressort? Elle est seule depuis longtemps. Ça la rend un peu étrange de prime abord, mais assez sympathique au final. Tu penses qu'elle pourrait nous aider à trouver le temple? Elle m'a confié le journal de son père. J'ai bon espoir qu'il m'aide à trouver rapidement le temple, mais il est écrit en Yukol. Tu penses que tu pourrais le traduire pour moi? Bien sûr. Ce n'est pas tout. Est-ce que tu accepterais de lui rendre visite? La pauvre est seule depuis des années, et voir quelqu'un de la tribu lui ferait sans doute beaucoup de bien. Je serais honoré de rencontrer la descendante de celui qui a sauvé le temple. J'irai dès que je t'aurai traduit ce journal. Donne-le-moi, s'il te plaît.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va. Plus de peur que de mal. Impossible. Chaman en transe, pas dérangé. Chaman essaie de faire dire à esprit position du temple. Qui irait mettre ça au fond d'une piscine?
Qu'est-ce que c'est que ça? Sigi, oncle Burdundana, mord le marteau à la main. Illisible. Illisible. À Kantika, guide spirituel qui s'est sacrifié pour préserver à tout jamais les transhumances de la mauvaise fortune. Kirk m'a parlé de lui tout à l'heure. À Agnesa Dobrovskaya Tika, ma mère bien-aimée qui a prouvé que l'amour ne s'encombre d'aucune origine. Dunyasha Dubrovskaya Tika, enfin délivrée d'une veille sans relâche, puisse-t-elle avoir rejoint les siens? Illisible. Illisible. Sigi, cousine Rukalia Dana, tombée en esclave mais morte en héroïne.
illisible. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas, Dunyasha Dubrovskaya-Tika? Ta place est auprès des tiens, au sein de la transhumance. J'en aurais été honorée, ô mon guide. Mais il faut bien que quelqu'un mette les futures caravanes sur la voie du temple et s'assure que ceux qui ont voulu le détruire ne parviennent jamais à leur fin. Or, j'ai promis sur le lit de mort de mon père que ce serait moi. Il y a peut-être un autre moyen? Je ne pense pas, ô mon guide, et de toute façon, je ne me vois pas vivre loin des esprits de ma famille. Si j'avais pensé un jour pouvoir parler à une descendante de la migration précédente, merci. Merci de m'avoir permis de retrouver les miens.
Miss Catwalker! Elle a réussi! Miroirs vont permettre d'ouvrir temple! J'ai l'impression, oui. Mais je vais avoir besoin d'aide pour les manipuler. Yukol vont aider! Miss Catwalker les guider! Madame Ayahuasca, vous pouvez vérifier où nous en sommes, s'il vous plaît? C'est bon pour celui-là, merci. Là, parfait, merci. Madame Ayahuasca, vous pouvez vérifier où nous en sommes, s'il vous plaît? Madame Ayahuasca, vous pouvez vérifier où nous en sommes, s'il vous plaît?
Madame Ayahuasca, vous pouvez vérifier où nous en sommes, s'il vous plaît? Là, parfait, merci. Miss Catwalker a réussi! Elle nous rejoindre dans le temple. Kate! Qui êtes-vous? Ma pauvre Kate, tu ne reconnais plus ta vraie famille. Il faut rentrer à la maison maintenant. Tu dois écouter ta mère. Oui, il faut en convenir. Nous avons du mal à comprendre qu'une aussi brillante avocate en soit arrivée à se livrer à des activités parfaitement délictuelles. Nous avons saisi la justice, mademoiselle Walker. Vous pouvez être assurée que les choses n'en resteront pas là. Il faut que tu comprennes, Kate. Je n'allais pas t'attendre indéfiniment. Tu nous as beaucoup déçus, Kate. J'étais ta meilleure amie, ta confidente. Alors ici, tout le monde a fini par se faire une raison. Pour nous tous, tu es perdue. Disparue. Tu es morte, Kate. Morte. Kate Walker ? Est-ce que tout va bien ? Oui,
Mais j'ai besoin d'air. Sortons, s'il vous plaît. Vous êtes sûr d'aller bien? Sans vous offenser, vous sembliez à un moment avoir perdu le sens comme un cakewalker. Des fantômes. Rien que des fantômes. Bon, je suis épuisée. Je vais essayer de dormir quelques heures avant l'aube. Je vous attendrai ici. Alors, bonne nuit, cakewalker. Bonne nuit, Oscar. Notre amie la chamane est là-haut. Elle se repose suite au rituel et je veille à ce qu'elle n'ait besoin de rien. Y a quelqu'un? Personne à première vue. De retour bientôt.
rien. De retour bientôt. Les Yukol ont stocké toutes les affaires que j'ai réussi à garder depuis la clinique. C'est gentil de leur part. Ah, Miss Catwalker.
tout va bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas franchir le pont rapidement pour se mettre en sécurité? Notre pont sacré est effondré. Il m'a l'air très bien, ce nouveau pont. Qu'est-ce qui ne... Le pont sacré est juste là. Cette chose, c'est une douane, avec, j'imagine, un fonctionnaire et de la paperasserie. Ce n'est pas pour nous. Excuse-moi, mais pourquoi est-ce que la caravane ne pourrait pas traverser? Il nous manque l'assentiment du veilleur. Et à voir l'état du pont, je suis très inquiet quant à son sort. Qui est-ce? Le gardien des terres sacrées, un très grand sage. On dit qu'il n'a pas d'âge, qu'il a vu passer d'innombrables transhumances et qu'il a toujours vécu dans cette yourte, là-bas en face. C'est lui qui atteste que la bonne fortune accordée par les esprits lors de la cérémonie de la nuit dernière accompagne effectivement la caravane. Nul Yukol ne pourra franchir la rivière sacrée sans son assentiment. Est-ce que ça vaut aussi pour une non-Yukol? En principe, non. À quoi penses-tu? À traverser moi-même l'autre pont pour voir ce qu'il en est de ce veilleur. Tu es vraiment sûr que ceux qui nous poursuivent ne pourront plus rien contre nous une fois la rivière franchie? Certain. Aussi fous soient nos poursuivants, ils ne prendraient pas le risque de commettre un acte de guerre en violant une frontière souveraine. Qu'y a-t-il, Kate Walker? Tu parais troublé. C'est juste que... je pense au chemin du retour, Kirk. Après, comment allez-vous ramener le troupeau chez vous avec Olga et ses miliciens qui vous attendront de pied ferme? Chaque chose en son temps. Il faudrait déjà que nous parvenions à obtenir la bénédiction du Veilleur. Qu'est-ce que tu sais à propos de cet autre pont? Les anciens disent qu'il n'était pas là lors du passage de la dernière transhumance. Il est bien à l'image des paysages que nous avons traversés. Tout a changé, et nos traditions ont bien du mal à s'accommoder de ces nouvelles choses. Tu penses qu'on vous laissera passer sur ces nouvelles installations? Nous avons de l'argent grâce au commerce que nous avons fait tout au long de notre route. Peut-être qu'il suffira d'en donner aux personnes qui s'occupent de ce pont. En quoi consiste la bénédiction du Veilleur? Il nous autorise à passer s'il juge que nous en sommes dignes, si nous avons bien respecté les coutumes et les traditions. Toutes ces sortes de choses. Je vois. Je vais aller voir comment traverser. À plus tard. Merci pour tout, Kate Walker. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est à quel sujet? J'accompagne la transhumance de la tribu Yukol. Ils ont pour habitude de franchir cette rivière ici même, tous les 25 ans environ. Mais leur pont s'est écroulé. Et ils n'ont pas l'autorisation d'emprunter vos nouvelles installations sans l'assentiment d'un des leurs, une sorte de douanier spirituel qui demeure sur l'autre rive. Il faut absolument que je traverse pour aller m'entretenir avec lui. Vous pouvez me faire traverser, s'il vous plaît? Ben ça... j'avais bien entendu parler de ces fameux nomades, mais de là à les voir en vrai... je suis de service ici depuis quelques mois seulement, il vous suffit de me présenter les documents d'usage, j'imagine, et... voilà. Écoutez, les Yukol vont rester ici le temps que je revienne. Ce sera pour vous le gage de mon retour de ce côté-ci dans les meilleurs délais.
et ça nous évitera tous les deux de perdre du temps en procédure fastidieuse. Et puis une fois que vous serez revenu? À défaut de paperasserie, je suis certaine que les Yukol accepteront de vous céder une bonne part de leurs économies pour arrondir les angles et vous dédommager des soucis qu'ils vous occasionnent. De quoi parlez-vous, mademoiselle? D'argent, beaucoup d'argent. Pour que vous fermiez les yeux, le temps de les laisser passer de l'autre côté. Ah, bah faudra voir ce qu'en dit ma hiérarchie quand je les appellerai. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Règle numéro 1, toujours prévenir la hiérarchie. Et règle numéro 2, en cas de doute, se référer à la règle numéro 1. Le but, c'est précisément que vous n'en parliez pas à votre hiérarchie. Cet argent, vous le garderez juste pour vous. Vous comprenez? D'accord. Bah, je sais pas trop si je peux faire ça. Bien sûr, il faudra n'en parler à personne. Mais réfléchissez bien. Avec une telle somme, vous pourrez vous consacrer à plein temps à vos loisirs. Ah ouais. Ouais, je... Bon, d'accord, c'est entendu. Par contre, il faudrait aller embrayer la roue à aube dans la rivière. Pour actionner le pont et que je puisse l'utiliser pour vous faire passer. Avec tout ce petit monde que vous m'amenez, vous comprenez, je préfère pas trop quitter mon poste. Ça ne sera pas nécessaire. Je me suis déjà occupé du moteur. Vous avez quoi? Mais vous auriez pu me... Avouez que tout de suite ça nous arrange, non? Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, dites-moi quand vous voudrez traverser. Pourquoi a-t-on détruit le vieux pont Yukol qui se trouvait là auparavant? Il n'était pas assez fiable, d'après ce que j'ai compris. Il fallait quelque chose de plus performant en termes de contrôle des frontières. C'est-à-dire? Ben, comme vous pouvez voir, il est composé de deux parties mobiles interdépendantes, et c'est moi qui les active d'ici. Du coup, c'est la frontière la plus sûre du monde. Enfin, c'est ce que dit ma hiérarchie. Est-ce que vous savez s'il y a toujours quelqu'un en face? Ben, j'y suis jamais allé là-bas. J'ai pas le droit. Hein. C'est un autre pays. Hein. D'ici, à part le vieux fou d'en face, j'aperçois jamais personne, mais... L'habitant de cette yourte, de l'autre côté? Ouais, c'est un peu mon homologue frontalier, comme dit le manuel. Vous le connaissez personnellement? Ben, je l'ai jamais vu de près, puisqu'il est en face. C'est logique. Et pour tout vous dire, c'est bien comme ça. Ça nous arrive juste de nous échanger des provisions avec la tyrolienne qu'ils avaient installée par-dessus la rivière au moment de la construction du pont. Ce vieux dingue crache pas sur la bibine, vous savez. Alors je lui envoie de la vodka de contrebande de temps à autre. Histoire d'entretenir les bonnes relations frontalières, comme on dit. Sans vouloir vous vexer, vous me paraissez bien hésitant. Ça fait longtemps que vous n'avez vu personne ici? Oui? Ben, à vrai dire, ça fait 6 mois que j'occupe ce poste et depuis je n'ai vu... un chat. Personne. Alors je parle pas souvent, ça explique, vous comprenez. Je vais à la pêche pour m'occuper. Si ça se trouve, je finirai par faire la conversation au poisson mort. Je vois. Bien, je vais me rendre sur l'autre... Ouais, d'accord. Allez donc vous mettre juste devant le pont et je vous ferai passer à ce moment-là.
Oui, c'est elle. Kate Walker. Celle qui a abandonné toute sa première vie. Alors elle court. Elle court. Et puis, elle ne s'arrête plus. Une voyageuse sans destination. Est-ce que tout va bien? Les esprits me parlent de toi, Kate Walker. Les esprits? Parfois, ils vous protègent. Parfois, ils vous abandonnent à votre sort. On a du mal à les suivre. Ils me racontent que Kate Walker accompagne la nouvelle transhumance des Yukol et de l'Autriche. C'est exact. Les Yukol ont besoin de votre bénédiction pour pouvoir traverser. Ils disent qu'un danger vous menace. Les esprits aiment avertir du danger. Ça leur donne de l'importance. Effectivement, nous sommes poursuivis. Ce qui rend d'autant plus urgente votre autorisation pour que nous puissions traverser. Mais avant, il y a une épreuve. Avec les esprits, il y a toujours des épreuves. Et puis, il y a toujours des cadeaux à faire. On donne ce qu'on veut, du moment que c'est de la vodka. Je ne savais pas que les esprits buvaient. Moi, je les boirai, et à travers moi, les esprits s'enivreront. Ça la mettra dans de très bonnes dispositions. Je vois. Et après, vous nous laisserez passer. Il faudra aussi réciter l'incantation, et puis après, la caravane pourra atteindre les terres sacrées. Vous pouvez m'en dire plus à propos de cette incantation à réciter ? C'est une prière pour les esprits qui se transmet de chaman à chamandra. Et quel genre de prière? Les esprits ont besoin de signes. Ils comprennent le langage du feu et de la fumée. Il faut espérer que Kate Walker trouvera ce qu'il faut sur l'autre rive. Les vestiges des transhumances du passé sont toujours là. Mais les esprits n'en révéleront tous les secrets qu'une fois la livraison de vodka effectuée. Les esprits sont intraitables en affaire, Kate Walker. Les esprits vous ont-ils dit d'autres choses à mon propos? Tes vertus, elles pourraient bien provoquer ta perte, Kate Walker. Sois prudente, Pook. C'est tout? Des épreuves naîtra la force. Décidément, vos esprits aiment les généralités. À propos de l'alcool dont vous avez besoin, où puis-je en trouver? Ça ne devrait présenter aucune difficulté pour Kate Walker. Les esprits n'ont pas de préférence particulière. Eh bien, j'ai du travail. Je vais trouver le moyen de vous procurer de quoi trinquer avec vos amis matériels. Les esprits sont assez susceptibles, Kate Walker. Ils n'aiment pas qu'on plaisante. Zaha. Non, il faut d'abord que je fasse traverser les Yukol.
Qu'est-ce qu'il attend? Enfin. Attendez! Mais qu'est-ce qu'il lui a appris ? Miss Catwalk a vu ? Step sacré droit devant ! Shaman s'est réveillé. Se repose dans maison sur autruche. Notre amie la chamane est là-haut. Elle se repose suite au rituel et je veille à ce qu'elle n'ait besoin de rien. Comment vous sentez-vous, Madame Ayahuasca? Oh, tes cérémonies mangent la force. Alors, chaman, très affaibli. Je suis désolée d'interrompre votre convalescence, mais il y a un problème avec le veilleur de l'autre côté du pont. Quel problème? Demande essence pour esprit. Vodka, essence pour esprit. Oui, vous n'en auriez pas par hasard dans vos provisions? Reste plus d'essence. Chaman, tout utilisé pour rituel. Ça ne fait rien, ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien un autre moyen de m'en procurer. Le veilleur m'a aussi demandé de réciter une sorte de prière pour que la tribu puisse passer. Vous pourriez m'en dire plus? Miss Catwalker doit faire signaux de fumée avec vieille machine des ancêtres. Quels signaux? Ayahuasca s'appuie parfois dessus.
Avec le douanier parti, impossible de faire traverser les Yukol sans rester en arrière. Bon, nous verrons ça plus tard. Elles sont humides à force de rester dehors.
Rien à faire.
Nous avons la bénédiction du Veilleur pour passer. Merci, Kate Walker. Au nom de toute la tribu, merci mille fois. Il reste un problème. Sans le douanier, nous n'avons personne pour manœuvrer le pont et... J'ai la solution, Kate Walker. D'évidence, quelqu'un doit rester sur cette rive pour faire traverser les autres. Et je suis tout indiqué pour cela. Oscar, non! Pas une seconde fois. Kate Walker, une fois que vous serez passé avec la tribu, vous n'aurez qu'à me faire traverser à mon tour grâce à cette tyrolienne que je vous ai vue utiliser tout à l'heure. Non! Échangeons les rôles. C'est moi qui vous ferai passer et puis je traverserai avec la tyrolienne. Votre sollicitude est sans objet, Kate Walker. Et... Les miliciens! Il faut y aller! Oscar! Kate Walker! Il nous faut de l'aide! Vite! Cherchez-vous ceci. La partie est terminée, Kate Walker. Eh bien, Miss Walker. Gagné, je suppose. Neutralisez-moi cette garce. Mademoiselle Walker, profitez donc du voyage pour vous reposer. Nous aurons du temps pour discuter ensemble lorsque nous serons arrivés. Tout le temps qu'il faudra.
What are you gonna do now, Kate? I'd like to show you a painting. A painting? Of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Indeed, she does look like you. Since the death of Mom, and the girl in the picture has given me a reason to go on. Like some kind of column, something to hang my hopes on. It was one summer evening that the whole story of your painting began. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. You were my last hope. Like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. It's like this painting has chosen me. But maybe I'm just kidding myself. There will always be a train for you. In any case, I promised Katyusha I would find her. And we'll find out who she is, or was.
across the sea, from a distant land in the east, he shall appear. A young man, unaware of his own strength. A strength that can both destroy him and bring his dreams to fruition. As it is written upon the stars from long, long ago. A dragon will rise from the earth, conjuring dark clouds to blot out the heavens. A phoenix will descend from above, delivering purple wind with a flap of its wings. Yet even as the sky is devoured by darkness, a single morning star radiates its bright light. That long, winding tale shall now begin. Shenmue, the animation, coming in 2022. An Adult Swim and Crunchyroll original. Oh.